Nouvelle fusillade meurtrière aux États-Unis ce samedi. Elle s'est déroulée au Texas, dans les villes de Midland et d'Odessa. Un homme a ouvert le feu sur une voiture de patrouille quand elle a tenté d'arrêter un véhicule. Il a ensuite continué à tirer sur des passants. Un bilan meurtrier, 4 personnes ont été tuées et une vingtaine ont été blessées. Le vice-président des États-Unis s'est adressé aux Américains. Nous avons le cœur brisé pour toutes les personnes dont les proches ont été blessés, dont les proches ont perdu la vie suite à cette dernière tuerie de masse. Le président et moi-même restons absolument déterminés à travailler avec les dirigeants des partis du Congrès pour prendre des mesures et nous attaquer à ce fléau des fusillades de masse perpétrées dans notre pays. Dans un premier temps, le suspect est parvenu à prendre la fuite. Puis les autorités sont finalement parvenues à l'abattre sur le parking d'un cinéma. D'après le chef de la police locale, le tireur présumé a agi seul et était connu des services de police.